ensemble de Komombo surplombe le Nil d'environ 15 mètres, telle une acropole. Deux triades de divinités y sont honorées conjointement. Sobek, le dieu crocodile, choyé par les habitants de l'île Mansourier, faisant face à Ombos, qui redoutait les attaques de l'animal à chaque traversée du fleuve. Dans ce tableau. Et ces instruments de chirurgie nous rappellent quand même des instruments qui étaient employés à l'époque égyptienne. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup d'instruments représentés sur les parois, mais nous avons trouvé quelques-uns. Mais nous avons aussi d'autres de l'époque gréco-romaine et de l'époque copte. Ces instruments sont présentés là. Et là, nous avons des seringues. Là, c'est des instruments qui étaient employés pour la trépanation. Vous avez une scie. Là, c'est à l'origine du stéthoscope. Là, vous avez des crochets pour retirer un fœtus mort ou bien le cerveau du nez. Là, c'est des baisses langues. Ça, c'est des forceps. Là, vous avez donc un pot pour uriner. Là, c'est des daviers. Là, c'est donc des ventouses. Et donc là, c'est un rouleau. Donc un cylindre. Dans ce cas-là, il répond, on peut répondre, oui, parce que les hommes, ils avaient l'habitude d'être là à côté des femmes pour les soulager pendant l'accouchement. Ils font la même position. Alors nous avons là les deux divinités, les deux aspects. Vous avez Aruaris et vous avez Sobek. Et là, Khonsu, qui est en train donc d'écrire la vie du roi sur la tige. Et vous avez un Ptolémée et une... Assouan, la porte du sud, où les ancêtres précipitaient tous les ans dans la première cataracte, une jeune vierge, la fiancée du Nil, pour amadouer le fleuve. Et les felouks continuent à transporter hommes et marchandises, comme il y a 5000 ans, elles transportaient d'Assouan le granit dont on faisait les statues pour les cendres de Menfi. Voici la carrière de granit d'Assouan. C'est ici que l'on a taillé dans la falaise les blocs de granit qui ont servi pour les temples, statues et obélisques. Les Égyptiens éclataient ces blocs en faisant des encoches dans lesquelles ils introduisaient des coins en bois. Mouillant ce bois et en gonflant, celui-ci éclatait les énormes blocs. Thank you.
Ces blocs étaient taillés avec des outils en pierre. Et ce qui émerveille, c'est la façon dont ces blocs sont taillés. Certains ont pu dire, ont pu écrire, qu'ils ont l'air taillés au rasoir. Puis, il fallait les transporter. Comment ? Les égyptologues nous ont proposé des explications. Ils sont partis de bas-reliefs, et notamment de l'un de ceux que l'on a trouvé dans la nécropole de Deir el-Barsha, en Moyenne-Égypte. Sur ce bas-relief, on distingue une scène représentant le transport d'une énorme statue posée sur un traîneau, tiré par 172 hommes, allant vers le Nil où attendaient les bateaux. L'ancien barrage d'Assouan, qui contenait 5 milliards de mètres cubes d'eau, a laissé là un dépôt limoneux épais, qui a surélevé localement le lit du fleuve et comblé les inégalités des rapides de la première cataracte. C'est ici que s'élève une pure merveille de l'architecture des derniers pharaons, que les Romains du reste ont achevé. Le temple d'Isis à Philée recevait la dévotion des pèlerins de l'ensemble du monde antique. La silhouette de ces élégants pylônes est familière. L'édifice, périodiquement inondé par les effets de l'ancien barrage, menaçait ruine depuis la mise en œuvre du nouveau barrage. Les autorités du Caire, avec l'aide de l'UNESCO, ont décidé de le sauver en le rebâtissant pierre par pierre sur l'île voisine d'Al-Jiga.
Ce barrage, les Égyptiens en ont attendu l'eau qui leur permettrait de nourrir leur population. Depuis le moment où il a été construit jusqu'à aujourd'hui, les Égyptiens ont augmenté de 800 000 habitants chaque année. Et on n'est pas sûr à l'époque actuelle que tout ce qui a été produit sur les terres irriguées par le barrage ne soit pas dévoré par cette nouvelle population qui est venue se surajouter aux 30 millions d'habitants qui existaient au moment où le barrage a été achevé. Édifier un barrage de 4 km de long et de 110 mètres de haut avec 30 000 ouvriers égyptiens et 2 000 techniciens russes. Digne des pharaons et auquel l'Égypte rêvait depuis 5000 ans. 4 ans et 43 millions de mètres cubes de pierre, c'est-à-dire 17 fois le volume de la Grande Pyramide pour détourner le Nil de son cours. Ans en tout pour capturer le plus grand fleuve du monde. Mais c'est aussi la fin d'une belle légende, celle de la déesse Isis qui, pleurant la mort d'Osiris, provoquait de ses larmes les crues du Nil. Le fleuve dompté ne débordera plus jamais.